Il y a une époque où on ne prenait pas de tourbus et on allait dans des hôtels. Et on faisait train, hôtel. Et dans les hôtels, il y a eu quelques problèmes. Parce que Jean-Rachid, il aime le canular. C'est son truc. Donc, je ne vais pas vous raconter en détail, mais voilà, on rentre dans une chambre, on est toute l'équipe dans une chambre, et il appelle en disant que dans l'équipe, il y a le fils de François Bayrou, va savoir, il a tes trucs. Parce qu'on était à l'époque, pendant les campagnes, la campagne présidentielle, où Bayrou... C'est pas le plus ouf. Non, c'est pas, mais voilà, non, mais il faut trouver, pourquoi François Bayrou, ouais. Tu vois, c'est... Mais voilà, il dit, voilà, et bon, il appelle... évidemment, il appelle en masqué le mec de l'hôtel qui est en bas de l'hôtel, tu vois. Il dit, voilà... on a le fils de François Bayrou dans la chambre et on sait qu'il est menacé parce que son père en ce moment il fait la campagne des présidentielles et apparemment il y a des gens qui nous ont suivis, donc on est en panique. Bon, tac, il raccroche, il rappelle un peu plus tard, il change de voix, il se fait passer pour les RG. Il appelle le mec de l'hôtel, il dit bonjour, c'est les RG, on le dessous chaussures, vous avez le fils de François Bayrou dans l'hôtel, il est en danger. Est-ce que vous pouvez vite monter dans la chambre numéro 14 et lui dire de se cacher dans l'armoire? Quel mec, le pauvre, il est veilleur de nuit, il n'a rien demandé. Réceptionniste. Et il monte, bonjour, excusez-moi, faudrait que vous vous cachiez. C'est qui François, le fils de François Bayrou? Faudrait que vous vous cachiez dans l'armoire. Et qui a joué le fils de François Bayrou? C'est un mec, qui est un régisseur de l'époque, un rebeu de 2 mètres. Aucune cohérence. Aucune cohérence. Bon voilà, on a gagné, il a gagné, normalement la blague, elle est finie, c'est bon, il est monté, il t'a dit, t'es le fils de François Bayrou, va te cacher dans le placard. Normalement, tu t'arrêtes. Mais pas Jean-Rachid. Donc là, il rappelle, il dit « Ouais, non, c'est de plus en plus dangereux, ils sont de plus en plus nombreux à être autour de l'hôtel, il faut absolument lui dire d'aller se cacher dans la baignoire. » Et le mec, il monte, le pauvre, il a les RG qui l'appellent, il dit « Ouais, faut vous cacher dans la baignoire, là, tac. » Il rappelle une troisième fois, et là, le mec, il panique, il appelle les Condés. Et donc là, à un moment, ça tape à la porte, nous, on gaulerie, on dit « Ah, c'est le meilleur de nuit, bam, c'est des civils, tac, qu'est-ce que c'est que cette histoire, tac, ça commence à fouiller la chambre et tout. » Donc, bon, les petits... Avec le mec dans la baignoire, c'est là avec où c'est... Avec le mec dans la baignoire. Mais moi, je reste dans la baignoire ou pas? J'en ai une qui est mignonne aussi. À l'époque, là, on est dans le van, tac, c'était pas encore tourbus, petit van, on va faire un petit festival, au tout début de mes tournées. Là, c'était un truc a cappella, c'est un espèce de festival de poésie, et je fais une heure a cappella, j'ai même pas de musicien. Et là, on est dans le van, et Jean-Rachid, il galère, et l'oisiveté, mère de tous les vices. J'avais dit que j'émaillerais de quelques... Là, c'est pas ta formule, mais... Ah, bah, ça, c'est... Si, c'est il aurait pu, ça. Il aurait pu, là. Il aurait pu. Les oiseaux. Bah, déjà, il t'a pas dit merci. Oiseaux, les oiseaux, les grand-mères de tout... grand-mères de tout... Alors, donc, tac, van, il appelle. Il appelle la direction du festival, et il se fait passer pour le fils... du principal financeur du festival, je dis pas de nom. Et donc il dit, voilà, il y a quoi ce soir? Il y a tel spectacle, il y a le Grand Corps Malade. Ah, Grand Corps Malade, ça m'intéresse. Je vais venir avec des amis, réservez-moi tout le deuxième rang. Ah, on peut pas, monsieur, c'est pas très grand, c'est à guichet fermé, ça. Ah, je crois que vous avez pas bien compris. Vous savez qui est mon père? Vous voulez qu'il y ait un festival l'année prochaine? Alors vous me réservez tout le deuxième rang, merci. Tac, bon. Puis voilà, nous on roule, station essence, on pense à autre chose, on arrive, on fait vous les balances. Vous êtes au courant de la blague en ouais, j'étais là, bien sûr, j'étais là, il le fait devant moi, tu vois. Mais j'oublie après, et voilà, le soir je monte sur scène, il y a tout le deuxième rang qui est vide. Je dis, là je démarre, je vais être concentré, je pense à l'autre con dans la voiture. Donc bon, voilà, non, c'est une colonie. Il avait l'habitude de faire ça, il y a des dates de tournée, et qu'il se retrouve dans la voiture avec Fabien, il se fait passer pour le producteur ingrat, et il lui fait porter les valises à lui. Bon, tu portes les valises, hein. Ah ouais, je m'en fous que tu es encore malade. Et t'avais le chauffeur ou le taxi qui était choqué. Tu le vois lui porter 3-4 valises comme ça, boité. Ouais. Et le choc. Ouais, souvent on fait ça. Aussi, des fois, tu as un peu de promo local, tu vois. Tu arrives dans une salle de spectacle, tu as le journal du coin qui vient, tu t'interviews dans la loge. Et là, à chaque fois, là, on se regarde, petit clin d'œil, tac. Et là, il arrive, il jette les clés de voiture sur la table. Je suis en pleine interview, hein, je suis concentré et tout. Il jette les clés de voiture, il dit « Va chercher mon chargeur. » Je dis « Rachid, je peux pas, je suis en pleine interview. » Il dit « Va me chercher mon chargeur, il va pas se charger tout seul mon téléphone. » Et là, déjà que je boite à la base, mais là, je boite encore plus, tu vois. Là, j'en rajoute, tac, je galère. Et t'es le journaliste, il est terrifié, il regarde, mais c'est pas possible. Et évidemment, on désamorce jamais. Ah ouais, jamais. Il doit y avoir des repas de famille. Dire le producteur de Grand Corps Malade, ce fils de. C'est ouf. Comment se fait cette rencontre avec John Rachel? John Rachel, pardon. C'est l'autre. À Lyon. il m'a vu dans un bar. Une espèce de soirée éclatée. Ouais, au réservoir. Une soirée chelou, pas éclatée, il y avait des trucs bien, mais il y avait de la danse, du beatbox, des trucs.
Et un mec qui m'avait dit, tiens, viens faire. Et j'ai failli partir, c'était interminable. Je vois que je passe à 1h du mat. Et vraiment, c'était. Et bon, je dis, allez, je le fais. Et je monte, je fais 2 textes. Et Jean-Rachid, il était là. Et à l'époque, puisque Jean-Rachid faisait du one-man show, tout le monde le sait, et ben son co-auteur de son spectacle, c'est un mec de Saint-Denis. Et il rentre et le lendemain, il en parle à Amran. Il dit, ouais, j'ai vu un mec chelou, slam, grand corps malade. Et Amran, il dit, ouais, je le connais, c'est un mec de Saint-Denis. Ouais, que ça commence à bien marcher, son petit truc. Il fait des petites scènes et tout. Et donc, il dit, voilà, Jean-Rachid, il dit, bah, j'ai trouvé ça chambé, donne-moi son numéro. Et un jour, il m'appelle. Moi, il se trouve que je l'avais déjà vu sur scène. Via Amran, du coup, son co-auteur. Et donc, du coup, coup de fil, ouais, c'est Jean-Rachid. Je t'ai vu l'autre jour faire 2 textes à telle soirée au réservoir. Viens, on se voit. Et je dis, ah, mais Jean-Rachid, l'humoriste. Ouais, bah ok, vas-y, on se voit. Et là, on se voit à la chicha Odéon, Monsieur le Prince, la première chicha de Paris. Jamel Bourras. Chez Jamel Bourras. Et voilà, et là, je lui raconte ma vie, je lui fais des textes et tout. Il trouve ça chambé. Et il a envie de faire des trucs avec moi, et puis petit à petit, très vite, il se dit « vas-y, je vais te produire ». Il n'avait jamais rien produit, mais voilà, il se lance dans l'aventure. Tu te souviens, au réservoir, quand on remplaçait il y avait des pâtisseries au chocolat. On a fait une nuit de barre de rire, je ne sais plus quelle, on a fait 1000 des soirs au réservoir. Et là, on était avec Redouane assis sur un petit canapé, le réservoir, c'est dans le noir toujours, il y a des lumières cheloues. Et là, il y a des petits fours, mais à gauche, là, il y a des espèce de petit canapé au foie gras, et à droite, il y a des petites forêts noires, mais ça a la même tête. Ça a la même tête. Et nous, on prend plein de trucs au foie gras, et on les émaille, parce que j'ai décidé de dire émaille plein de fois aujourd'hui. On émaille les forêts noires de petits trucs au foie gras, et on met le plateau devant nous. Et là, ça y est, il est tard, c'est que du dessert. Là, c'est l'heure des desserts. Les gens, ils veulent du dessert. Ouais, mais c'est pas grand-chose, hein. Mais on a pleuré juste en regardant les gens bouffer du foie gras. Au moment où ils pensent avoir du chocolat, ils sont secs. Les gueules. Des gueules. Ça crachait en cachette et tout. Et nous, ça nous a fait 2 heures. 2 heures comme ça. Attends, il arrive. Voilà, mais il n'y a rien de pire que ce sentiment. Même quand ce que tu prends, c'est bon. Si dans ta tête, tu avais un autre plan, exactement, c'est des ça. Fois, tu fais livrer un truc, il y a différentes boissons. Ouais. Toi, tu as ta boisson en tête, tu as hâte de la boire, tu la prends. C'est une autre, ton cerveau, il met 3 secondes à comprendre. C'est ouais, terrible. C'est... Et ça, c'est vos jeux, ça. Moi, ouais. Ça, écoute-moi, 2 heures, voir des gens faire des gueules de... Ah, ouais. Magnifique.